Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour ACO et donc on s'était pas arrêté T'as vu là. la tempête de sable? Oui. Entre, père a dit que tu viendrais pour le dîner. D'accord, j'ai pas fini de parler et donc on s'était pas arrêté là. Mais j'ai fait la route. Ravi que tu aies fait bon voyage, Maharet. Oui. Les dieux ont béni notre périple. On a vu des vautours, et une hyène, et tout ce sable. Assez de sable pour remplir une vie. Voilà pourquoi il nous faut tant d'hommes, pour accomplir notre tâche. Et que promets-tu à ces hommes, Arka? Une parcelle de terre et une maison à leur nom, à condition qu'ils les reprennent au désert. C'est tout? Ils doivent déterrer leur maison. Ce n'est pas une tâche si facile. Nous devons tous œuvrer pour honorer les dieux. Les gens savent que mon père dit vrai. Et tu as bien raison de l'honorer, Gawab. Au sauveur de l'Étopolis. Partageons ces quelques dattes au miel. Et... Tout va bien, Bayek? Les dieux te maudissent, Stark! Jusqu'à ton dernier jour. C'est nous. Aya. Où es-tu, mon amour? Kemu. Je n'ai pas su. Ne m'en veux pas. J'arpenterai bientôt les ténèbres avec le cachet, en chemin vers les champs de roseaux. Les pharaons ont fabriqué des chars et porté les dieux dans le cœur des hommes. Les Midjai se doivent de protéger notre divinité. Aya et moi sommes devenus proches. Elle chante tes louanges, Midjai. Bien, partageons une bière, Séni. Aya et moi sommes devenus proches. Elle chante tes louanges, Medjay. C'est bien. Mon cheval. Que les dieux te protègent.
Sans armes, ni armure, ni argent. Par où commencer? Vite, avant que le vent n'ait effacé les traces. Allez, go. D'abord, les armes. Ensuite, le scarabée. Bon, ça me paraît pas mal. Ah, ils attaquent à vue par ici. Oui, ce sont des armes superbes. J'ai tout mis dans une caisse. Ça paiera notre tribu à cet étout. Bien, on l'enverra à Fort Mikiyu dans quelques jours. Combien de temps il va mettre à mourir, d'après toi? Celui qu'on a enterré? Deux jours. Il a l'air robuste. Je te parie ce que tu veux que tel qu'il est parti, il tiendra au moins 3 jours. Tenez, attends, qui va aller voir? Bon, je lui dis cendre. J'espère qu'ils vont pas monter du coup. Ils auraient dû rester dans l'ombre. Eh ben, on est tout beau. Donc, il y a un capitaine ici et un trésor. Alors le trésor, où est-il ? Il est là. Allez, sortez de là. C'est gentil. Merci. Corias.
Ouais, j'aurais pu faire direct comme ça en passant au-dessus. De toute façon, il va falloir nettoyer le dessus également. Bien, c'est marrant, il est là le papyrus. Pas vu. Arrêtez de courir tout le temps, quoi. Accordez grâce à mon travail, afin que mon nom soit reconnu et honoré dans ce temple jusqu'à la fin des temps. Ô Vernout, veille sur moi, aide-moi à trouver ma place parmi les étoiles éternelles et rends-moi immortel. On va te rendre immortel, t'inquiète. Ô Vernout, veille sur moi, aide-moi à trouver ma place. C'est donc ainsi que meurt un rêve. J'aurais pu bâtir quelque chose d'éternel. Et Goupa aurait pu chanter les louanges de tes prouesses. Je regrette bien des choses. Nous œuvrons pour des forces supérieures. Nous sommes tous des jouets des dieux. Nul n'échappe. Anciens. Cette victoire ne t'offrira pas la paix. Ce n'est pas la paix que je cherche. Ce n'est pas pour mon âme que je mène ce combat. L'ordre des anciens m'honorera comme le porteur des eaux et le bâtisseur des villes. Le désert reprendra sa place et dispersera le rêve de l'Étopolis comme du sable.
Prends soin de lui. Si tu peux, essaie de lui expliquer. Quelles horreurs as-tu fait entrer dans ma maison ? Tu étais aveugle. Mais désormais, tu dois ouvrir les yeux. Ton mari était le scarabée. Il était coupable. Il a battu et il a torturé ton père. Et d'autres gens avant lui. Non ! Tu dois désormais élever ton fils dans la lumière. Loin du sang et des ombres répandues par ton mari. Pardonne-moi, mon fils. Mon papyrus, là. Bonne nouvelle, Leila. Le séquençage est terminé. Tu peux te synchroniser avec les mémoires d'Aya. Elles sont assez fragmentées, mais tu devrais pouvoir t'y plonger un petit moment. Mon esprit ne te quittera pas. D'accord. Comme à la bataille de Salamine, capitaine. Je t'ai pris au piège. Voilà ce bon vieux Thémistocle. Et la partie est gagnée. Kamoto, Phoxidas, pourquoi doit-on livrer tous ces trésors? On pourrait aller vivre la belle vie à Lesbos avec tout cet or. Que veux-tu, rat du désert ? Si ce coffre ne parvient pas à pomper, ce navire non plus. S'il le faut, nous ramperons devant Hadès pour le livrer. Très bien. Au travail, bande de Vlakos ! Tamastès, mon fidèle porteur de bouclier, active-toi ! On nous a engagés pour soudoyer Pompée, pour sauver une reine et gagner un royaume. Rien d'inhabituel pour des mercenaires. Eh bien, c'est parti. Il y a des récifs devant. J'ai des yeux, je les ai repérés. C'est ton troisième voyage et tu donnes déjà des ordres. J'adore te voir baver dans ta barbe, Phoxidas. Tâchons de ne pas finir dans l'eau. Ce serait une mort indigne pour un héros de ma trempe. Un vrai héros saurait se sauver en nageant. Rassure-toi, je n'aime pas prendre des risques inutiles. Là, tu essaies seulement de m'impressionner. Pas les couleurs de Rome. Dans quel guépier nous a entraîné cette reine vérolée? Des navires de Ptolémée, envoyés par l'ordre des anciens. Et que peuvent-ils vouloir à Pompée? Les armées de Pompée offriront le trône à Cléopâtre. Leur objectif est d'empêcher cette alliance. Nous devons faire vite. Par la barbe de Poséidon, l'air est déjà chargé de fumée. Près du volcan, les eaux bouillonneront. Nous devons rester à distance si on ne veut pas brûler. C'est le Métana ? Cela fait des siècles qu'il est endormi. Ça ne m'étonnerait pas qu'il serait...
Tenez-vous prêts! Montrons à ces traîtres qu'ils ont choisi le mauvais pharaon! Voilà, du coup. Accrochez-vous! Ah non, c'est vrai. Vite, c'est nous! On nous tire une pluie de feu! Sortez les boucliers! On s'abrite! Accadant, on nous tire dessus! Par les dieux! Bon sang! Ils nous ont eu! Et derrière, ok. C'est parti. Plus vite. Plus d'allure. Ces malakias, visez leurs poupes. Elles sont remplies d'huile et brûleront comme de la merde de chameau. Allure d'épronage. Ouvrez les côtes des poissons. Ah là là. À tes paroles, capitaine. Nous avons besoin de pomper. Il est général. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le courrier. Je suis comme je suis. Je me moque de ces flacos de rois et de reines. J'ai quitté ma femme et mes enfants à cause de ça. Je désespère les gens de raison. Moi, tu me conviens. Tu nous conviens. Allez là ! La reconnaissance de ces braves notailles me suffit. Ce n'est jamais facile de dire adieu à ceux qui nous rejettent. Mais c'est la seule voie qui s'offre à nous. Vraiment ? Pompée sera à l'endroit convenu, au large de Fira. En route. Augmentez la cadence ! Plus d'allure ! La cadence ! Augmentez la cadence ! Plus vite, mes frères ! Allez, plus vite ! La cadence. Oui, il y a du beau bateau là-bas. Plus vite, c'est nous. Plus vite, augmentez la cadence. Tenez la cadence. Plus vite, plus d'allure. Plus vite, mes frères. Là, je le vois. Pompée fait route au nord. Doucement. Il y aura sans doute des patrouilles. Tu me donnes l'ordre d'éviter le combat ? Parades, femme, bien sûr que non ! Mais j'ai pas envie de mourir en protégeant un Romain. Surtout un de ceux qui ont de quoi se protéger. C'est toi ! Tu devrais rejoindre l'équipage de cette trirème. Je serai à ta place. Bombe incendiaire parée ! Lance-les quand nous serons tout prêts ! La cadence ! Là-bas. Augmentez la cadence. On nous tire dessus. Une minute là. Je suis occupé. Il en reste un. Très beau travail. Ok.
Arrivons par le fond. La partie est gagnée. Bien joué. Bon, allons voir ce Metrocoïtes. Je ne me suis jamais retrouvé face à l'un de ces généraux romains. Quoi? Ne me dis pas que tu aimes ces enfants de putain. La guerre civile ravage l'Égypte et une trirème de mercenaires vient à mon aide. En plein conflit avec César, c'est étrange tout de même. Paradès, qui êtes-vous ? Nous aurions pu te laisser mourir. Pompeius Magnus. Salutations et bienveillance de la reine Cléopâtre. Cléopâtre offre de l'or pour s'assurer mes faveurs une fois que j'aurai Rome. Est-ce là toute la bienveillance de ta reine ? Quel visage vois-tu sur cette pièce ? Les Romaines ont-elles droit à un tel honneur ? Une alliance avec Cléopâtre est une véritable union de pouvoir. Elle ne veut pas d'un simple allié. Elle cherche un roi. Une amitié précieuse, alors. Entendu. Ma flotte fera bientôt voile vers l'Égypte. Et ben voilà. Je vais aller récupérer mon papyrus là. C'est bon. Elle était où d'ailleurs ? Oh non, il était pas là. Si ? Je sais même plus. Ah si, là, derrière. Que va-t-on faire ? C'est une bonne question. Ça, on va virer déjà. Alors, au niveau des quêtes, ça, on peut pas faire encore. Donc, on va faire la hyène. Alors, la hyène, il nous faut aller où ? Ici. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un TP ici. Donc bien sûr, tout d'abord, on va faire tous les points d'observation et ensuite on va faire les quêtes annexes pour repartir sur la principale après. Direct ici.
Ah non. Ah je croyais que... Ah j'ai eu peur. Maintenant qu'on est de l'autre côté, évidemment le sommet de la pyramide, hein, bien sûr, on n'en a pas doute. On a un truc d'étoile à faire. On va aller là d'abord. Voilà. Comment ça? Comment ça indisponible? Bon, hein, il suffit de grimper une pyramide. Hein. Pas abusé non plus. J'en ai grimpé des pyramides. Je peux vous dire que ça n'impressionne pas. Mais non, déconne pas. Alors là derrière normalement il y a un truc mais je crois que c'est que pour la sortie. C'est vrai que tu sens le boulot quand même derrière les pyramides. Parce qu'elles sont bien texturées comme il faut. Elles ressemblent bien au vrai. Et voilà. Installer un campement ici. Mieux vaut aller voir. Alors malheureusement on n'aura pas le temps de faire la quête, alors je pense qu'on va aller vers les points d'interrogation qui sont en or. Comme ça, ça sera plus simple.
Donc évidemment ici on a un truc. Ah oui non, on va peut-être pas les faire parce que ouais c'est les pyramides, d'accord. Ok, bon, on verra plus tard du coup. Enfin je verrai plus tard de mon côté. Faudrait se rendre soit là soit là-bas. On va commencer ici, hein, puisque c'était le plus proche. Donc après on aura là. Et c'est vrai qu'il aurait fallu aller là aussi. Mais bon. On va peut-être faire celle-ci. Parce que c'est quand même bien plus proche. Réveille-toi. Allez. Ah, tant mieux, tu n'as rien. Allez, debout. Je te croyais allongé dessus. Allongé sur quoi? Que s'est-il passé? Mes notes. Je suis géographe. Cortezeos, ravi de te rencontrer. On dirait qu'on a été attaqué. Ils m'ont fait les poches. Ils ont pris mes notes. Tu ferais bien de vérifier ta bourse. Toi aussi. Je savais bien que c'était de la folie de traverser seul le désert. Je dois retrouver ces voleurs. Et il vaudrait mieux pour eux que mes notes ne soient pas abîmées. On a déjà de la chance d'être en vie. De quoi te souviens-tu? Me souvenir? J'ai pris un coup sur la tête. Tout ce dont je me souviens, c'est du galop d'un cheval qui s'éloignait. Il y a peut-être des traces. Reste ici. Des traces? Tu n'es pas sérieux, là? Oh. Ah oui, je suis sérieux. Wow. Ces traces récentes mènent vers le sud. Avec de la chance, elles n'auront pas encore disparu sous les sables. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de traces. Tout est noté. Se sont enfuis vers ces ruines. Ok, c'est parti. Hop. Ok. Allez, c'est parti. C'est le cheval utilisé par les voleurs pour s'enfuir. Par ici. Ah, d'accord, on va investiguer. Tu fais un enfant ici. C'est dangereux. Je cherche des choses pour Amta. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un Medjay. Je cherche des voleurs qui sont passés ici. Tu as vu quelqu'un? Non, personne. Tu es seul ici? Non, oui, je suis tout seul. Ce garçon cache quelque chose. Cette mine! J'ai en cette herkevniu! Faut peut-être le suivre. Tempête de sable. Je fais que creuser, c'est pas interdit, pas vrai? Oui. T'es louche. Hop.
des signes. C'est intéressant d'aller là. Je vais m'en faire combien là comme ça? Encore deux après celle-là, les loups. Ne vous inquiétez pas. De suspense. Voilà. Et avec ça, je peux pas passer. Pourquoi un enfant comme toi vient jouer ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Je cherche des objets volés. Et je crois que tu pourrais m'aider. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Petite. Tu n'as rien fait de mal. Et je peux t'aider, tu sais. On l'a caché dans la pyramide de... Nikalinos. On a dû le faire pour Anta. Je suis sûr qu'Anta est une bonne amie. Mais vous ne devriez pas faire de telles choses à Gizeh. Ok, ben merci. Du coup, j'ai les infos. Bon. Faut que je me tire maintenant. C'est pas bien grave ça. La pyramide. Par là. Non, non, non. S'il te plaît, merci. Ok. Donc les loulous, nous on va se laisser là. Moi je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye.